Eh bien, salut à tous, c'est Monsieur Cordan. On se retrouve sur Minecraft en 1.15.1, donc la toute nouvelle mise à jour. Bien sûr, on voit en fond avec les ruches et les abeilles, hein, les nouveaux mobs. Donc, on va se retrouver pour se faire une série, une très longue série, je pense, en solo. Du coup, créer un nouveau monde. Alors, comment on va l'appeler? Alors, on va l'appeler. Allez. Ah mince. La so. Allez. La solitude. Et nous revoilà. Là. Alors, un village, parfait. Parfait. C'est... Que dire de mieux que spawner à côté d'un village? Eh oui. Tout à disposition. C'est parfait tout ça. Toc. Pour un commencement, nickel. Des petits villageois. Toc. Le fermier, ok. Alors, qu'avez-vous dans vos maisons? Peut-être fouiller une ferme déjà faite. Eh ben, eh, oh là 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 là. Ça discute, excusez-moi. Oups. Hop. On va pas trop gêner parce que je pense qu'ils sont pas. Je pense qu'ils vont faire des petites choses. Je suis pas sûr. Alors. Alors, je dis. Que c'était bien de spawner dans un village, mais il n'y a rien pour l'instant. Pas terrible, terrible. Allez. J'ai rien cassé. Non, je vous jure. Je vous jure, j'ai rien cassé. Ok. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Il n'y a pas de coffre, rien. Bon, déjà, les maisons, je vais pas me plaindre. Ils sont construits. On va aller voir ailleurs. Je sais plus d'où je viens. Il y a un villageois qui va finir dans le compost là-bas. Ok. Bon. Commençons par le commencement. Pour aller un peu plus vite, hein, parce que sinon demain on y est encore. Ça, je le sais. Hop, hop, voilà. Donc, je vais avoir plusieurs défis à faire, je pense. Après, dites-moi un défi aussi en commentaire. Mais sinon, mon plus gros défi, ça va être de faire un gros. Comment dire? Un gros château. Ouais, un bon fort. On va appeler ça comme ça. Et ça va être, je pense, un bon défi. Parce que je suis. Moi, Minecraft, survie, j'en fais pas beaucoup. Je suis plus en mode builder. J'adore construire. Du boulot, on va peut-être pas en prendre. Ça ne sert à rien. Tac. Donc. Moi, ce que j'aime faire dès le départ, en plus, c'est bien, je suis au village. Alors, ce que je vais faire, on va créer déjà un double coffre. Voilà. Et je vais me faire deux bateaux. Et vu que je suis proche de la mer, et bah, ce qui va pas être mal. Ah oui, tiens, ici, j'ai pas. On va faire une épée. Là, ça tombe bien. Voilà. Hop, c'est parti pour se faire une épée en pierre et une pioche en pierre.
comme ceci. Et voilà. Alors, du coup, on va aller. Allez, on va aller piquer cette maison. Tac. Donc, déjà, toi, tu viens là. Tu vas aller là. Toi, tu ne sers à rien. Voilà. Voilà. Hop, tu vas aller là pour l'instant. Ça, ah, zut. Ça, on garde. Et toi, pour l'instant, tu sers à rien. Et voilà. Donc, allez, un petit peu d'exploration. J'entends un zombie. Ça doit être un zombie d'eau. Ouh. C'est moi ou il y a une belle... On est dans une crevasse. Ah ouais. Ok. On explorera ça un peu plus tard. Des tortues, super pour la respiration. Un mule. J'ai pas été voir là-bas. Eh. Dis donc, c'est chouette. Hop là. Bah voilà. Du pain, des pipites. Parfait, des pommes de terre. Excusez-moi, mais je fais que passer. Ok, nous avons du pain, des pommes de terre. On pourra planter ça. Et des pépites d'or. Histoire de dire qu'on a des pépites d'or. On a des pommes, je vais les garder pour l'instant. Ok, allez. Embarquons, embarquons. Et allons voir si on trouve des épaves. Déjà, à part une épave, je vois un petit donjon. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ok. Fuyons. Zombie trident. Parfait ça. Où est-il? Où est ce zombie avec ce trident? Hein? Ah. Je le sens que je vais me faire tuer en 2 secondes. Je sais pas pourquoi. Ouais. Alors, ça fait hyper mal. Oh, 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 oh. Ce truc est bien protégé quand même, hein. Mangeons, mangeons. Eh bien, on ira faire un tour une prochaine fois. Trouvons une épave. Ah oui. C'est les magmas qui nous attirent, c'est vrai. Je m'en rappelais plus. Ne mourrons pas dès le départ, quand même. Ce serait un peu dommage. Bon, sinon, à part des algues à perte de vue. Une belle épave. Pas profonde, donc super. Pour une carte au trésor et se stuffer dès le départ, ce serait plutôt pas mal. On est parti. Et. Pas mal ça. Ok. Notre respiration reprise. C'est celui-là que je viens de prendre. Ok. Alors, je vois pas le bug de porte. Ok. D'accord. La nuit tombe. C'est pas grave. Le village est sûr. Alors, le casque. Raccommodage. Ouais, il y a mieux quand même, hein. Ok, et normalement, le troisième coffre se situe derrière. Il me semble. Qui se situe par ici. Alors, si, si. Alors, j'ai pas l'habitude à nager. Je suis en ce moment sur l'1.12.
Et je le savais que j'entendais du bruit. Notre première baston. Bon, alors, du coup, ils ont beaucoup de cœur ou comment ça se passe? Alors, ok, la nuit est tombée. Ok, il m'a rien lâché. Non. Ok. Les araignées veulent attaquer. Ils vont pas dans l'eau. Lui, je l'ai fouillé. Non. Ok, là, voilà le dernier coffre. Ok. Hop! Ok. On repart. Donc, de retour au village. On dépose tout ce que j'ai trouvé dans le bateau. Dans l'épave, on va dire. Donc, le casque en cuir, un point d'armure, un raccommodage. Au pire, on verra plus tard. On va manger une petite pomme pour la régénération. Et que dit la carte? Nous, nous sommes là, on doit aller vers le sud. On va faire un petit somme et pourquoi pas y aller. C'est parti. Cette belle vue. Allez, c'est parti, pas que ça à faire. Hop, la carte. Alors, on verra bien. Petit dauphin. Belle démonstration. Alors. Oh, bien. On se dirige vers la bonne direction. Ça, c'est cool. Alors, voyons, voyons. Je vais voir un peu. Ok, donc tout ça serait la mer. Est-ce que si je vais par là... Alors, avec les cartes, hein... Je vais rien dire. Ok, donc du coup, je me dirigerai vers par là. Là, en face. Ouais, du sable, je vois. Ouais, parfait. Hop, et nous voilà. Arrivé. Ok, on descend. Tac, ça serait par ici. Ok. De retour, j'étais à la base pour aller chercher une pelle, ça ira plus vite. Du coup, alors est-ce que ma pelle va servir à quelque chose? Je sais pas du tout. Alors, est-ce que je suis dedans? Mais pour moi, je suis en plein milieu. Toc. Et bah, je vous reprends dès que j'ai trouvé. C'est parti. Et ben, ça y est, au bout de 2 minutes, bon, j'ai creusé que ça. Je me suis dit, on va re-regarder la carte. Alors, que dit ce coffre? Oh! 2 TNT, parfait. Des lingots. 2 jams. Et le cœur de la mer. Donc le cœur de la mer, je sais pas totalement ce que c'est. Et un coffre. Bah oui. Alors. Hop. Mon bateau est toujours là. Donc, j'ai exploré un peu. Aussi. Et j'ai découvert que cette plaine était superbe. En plus, avec cette plage. Alors, je me suis dit, pourquoi pas lancer ma base par ici. Commencer à construire. En plus, le village est pas très loin. Donc ça, ça peut être pas mal. Donc, à voir, au pire, j'explorerai d'autres horizons, mais... Oui, petit cochon, c'est très bien. Mais pour moi, c'est sympa. Ouais.
ça serait un bon spot. Donc, on va aller voir ce que j'ai vu là-bas. Alors, mangeons, mangeons. La vie se régène pas tout seul. Toc, donc je vais garder la carte pour faire une cartographie. En plus, il y a le village à côté, donc ça peut être pas mal. Mon petit bateau qui est juste là. C'est parti. Et ah, ça, c'était le sable. Alors, c'est reparti, on y va. Et nous voilà arrivés au petit temple, un peu abandonné, je pense, même beaucoup abandonné, que j'avais repéré quand j'étais là-bas. Alors, normalement, si je m'en rappelle bien, il y avait un coffre. Alors, par contre, toi, je t'aime pas. Donc, viens, on se bat en dehors. Merci. Ok. Donc, toc. Ok, et normalement, est-ce que... Yes! Encore une nouvelle carte. Parfait. Une hache en plus. Excellent. Parfait. Donc, ça se trouve, la carte, ça va être la même. Alors... Laquelle c'est? Et non! Du tout! Encore un autre trésor. Et bah, parfait. Parce que je le sais que... Plusieurs coffres cachés ont des cartes et normalement ils amènent au même coffre. Donc, alors celle-là. Oh. Et bah super cette exploration. Ça va nous avoir amené encore un bateau. Oh super. Et là du coup ça dit quoi? Non, on n'y est pas encore. Ok, donc ça on va ranger. Non, la pomme tu vas rester là. Hop, la hache. On va peut-être te mettre par là et ça là. Et au cas où. Ok, donc ah bah c'est cool. Donc là, ok, on ira voir plus tard au pire. Ça sera. Donc là. Voilà. Le bug de la porte, ça c'est cool. Du papier. Super. Et des plumes pour les flèches. Super, encore une carte enfouie. Là, que dit la carte? Encore un nouveau coffre. Eh ben c'est cool ça. Si on aurait plusieurs coffres comme ça sera parfait. Ouh. Du charbon. Parfait. Et une citrouille. On va la laisser. Ce n'est pas utile. Ok, normalement il y a un autre coffre. Alors je sais. Où. Alors normalement il est pas dehors. Ah non, il est là. Ok, alors je vais pas avoir assez de respiration du coup à chercher. J'ai pas entendu un zombie. Non. Ok, c'est parti. Et puis on va prendre. Oh bah ça c'est du beau trésor. Une fiole d'expérience. Que demander de mieux? Ok. Allez. On retourne à la base, c'est parti. Alors, de retour à la base. Hop. Donc je me suis mis... J'ai tout mis dans le coffre, ce que j'ai trouvé. Alors, je me suis mis aussi la tunique en cuir que j'avais trouvée. Et l'épine 3, donc pour l'instant. Alors, oh, j'ai une flèche dans la jambe. Alors oui, je suis arrivé à la base et il y a le squelette là-bas qui m'a tiré dessus. Donc, un petit somme. Alors, on se retrouve. Hop, c'est reparti. Donc, on va faire un mini-four. Alors, du coup, on va prendre... on va aller là-bas. On va prendre de la pierre. Il faudrait que je fasse un tour aussi dans la grotte. Juste ici. Le moment
Le moins cool. Miner, miner, miner. Donc je pense que je vais me faire deux fours. Comme ça, il y aura un four pour les minerais et un four pour la bouffe. Hop. Donc, tac, tac, tac. C'est parti. Et puis après, je pense aller refaire un peu une aventure. Tac. Pour aller chercher les deux autres trésors. Du coup, là, alors, j'avais du charbon ici. Ça, c'est cool. Donc, ça fait 10 dans l'un, 10 dans l'autre. Nickel. Et normalement, j'avais tué, voilà, des poulets et normalement les minerais. Donc, j'en ai pas encore. Donc, pour l'instant, ça sera de la bouffe. Et j'attends que ça cuit et on se retrouve juste après. Bon bah nous revoilà pour aller chercher la deuxième carte. Le deuxième trésor, pardon. Alors, toc. Donc là on se dirige dans la bonne direction. Alors je sais pas après s'il faudra aller à gauche ou à droite. Donc d'abord, on se dirige. Go go go. On navigue, on navigue. Toc. Mais par contre en reparlant de l'île, ouais. Donc ça me ferait bien un bon spot justement pour là le port en plus ça serait nickel avec une tour juste ici. Ouais ça pourrait être sympa en plus une forêt de sapins qui est là-bas. Là-bas il y a une forêt de chênes. Donc ouais pourquoi pas. À voir à voir. Donc là-bas le bateau on l'avait exploré. Donc est-ce que je me dirige dans la bonne direction? Oui, je suis dans la bonne direction. Ok, donc. Par contre, c'est bien bien au bord. Je vois pas où ça peut être. Je dis pas que c'est ici, c'est une île à. Donc ça serait l'eau. C'est une île à trésor. Donc, si je vais sur l'île, ça donne quoi? Donc, ouais, c'est bien ça. Ça va m'emmener. Non, du tout. Je n'ai rien dit. Je parle trop vite. Donc là, la rivière. Ok. Je sais pas sauter. Oh. Donc ça serait ici. Oh super. Donc j'ai bien dit, c'est une île là. Donc là, je serai dessus. Ok. Tac. Et ben je vous retrouve dès que je l'ai trouvé. Donc je viens de le retrouver. Après 5 minutes, on va dire. J'ai eu du mal. En plus, l'eau ne m'a pas aidé. Alors. Voyons voir. Je le sens que l'eau va arriver. Oh Voilà, je l'avais dit. On va la couper juste ici. Et voyons voir ce qu'il y a dans ce coffre. Ok. Donc encore un cœur de la mer. Deux diamants. Quatre lingots de fer. La morue. Et la tunique en cuir. On va la garder. Ok. Du coup, repartons. Oui, ça m'a presque mis la journée. Sérieux. Pour trouver ce fichu coffre. Ok, donc retrouvons notre bateau. Le petit village juste là. Toc. Voyons, voyons. Donc 5 diamants, 2 cœurs de la mer, pas mal. 13 émeraudes. Donc là, on a une carte vierge, donc ça peut être super. Ok, deux sous-spec du bambou. Ouais, ok, pas mal. Ouais, bah, et pour ce premier épisode, ça va être pas mal. Du coup, dans le prochain, je pense que je vais aller. Donc, je vais bûcher d'abord, hors caméra, hein, et je vais aller commencer dans le deuxième épisode à inspecter la base et pourquoi pas faire un bâtiment. Donc sur ce, on va se quitter.
se quitter là. Je vous dis bientôt pour un nouvel épisode sur Minecraft. A plus tout le monde, c'était Monsieur Cordan.